Dans un petit quartier paisible, vivait un chien au nom charmant de Smokey. Il avait tout ce qu'un chien pouvait souhaiter, un propriétaire aimant, une maison spacieuse et surtout, son fidèle compagnon, un éléphant en peluche qu'il chérissait plus que tout au monde. Mais un jour, le destin a basculé pour Smokey. Du jour au lendemain, son univers s'est effondré. Son propriétaire, pour des raisons inconnues, n'était plus en mesure de s'occuper de lui. Smokey se retrouva alors dans un endroit étrange et inconnu, le refuge. Les premiers jours au refuge furent les plus durs pour Smokey. Il se sentait perdu, seul et effrayé. Dans son enclos, il serrait son éléphant en peluche contre lui, comme s'il était le dernier lien avec son ancienne vie. Son cœur était lourd de chagrin et ses yeux reflétaient une tristesse profonde. Les bénévoles du refuge, touchés par la détresse de Smokey, ont rapidement compris l'importance de son éléphant en peluche pour lui. Ils ont décidé qu'il était hors de question de le placer dans une nouvelle maison sans son précieux jouet. Une pancarte a été accrochée sur son enclos, annonçant que Smokey ne serait adopté que s'il pouvait emporter son éléphant avec lui. Les jours se sont écoulés, mais la tristesse de Smokey n'a fait que s'approfondir. Il se replia sur lui-même, grognant à quiconque s'approchait trop près, incapable de laisser tomber sa garde. Le temps passait, et personne ne semblait vouloir d'un chien aussi méfiant et malheureux. Les bénévoles se sentaient impuissants. Ils savaient que si personne ne venait bientôt pour Smokey, ils devraient prendre la décision déchirante de l'euthanasier. Mais avant qu'ils ne prennent cette mesure extrême, deux femmes au grand cœur se sont présentées au refuge. Ces femmes, défenseurs des droits des animaux, ont vu Smokey et son éléphant en peluche et ont immédiatement su qu'ils étaient de fait l'un pour l'autre. Sans hésiter, elles ont décidé de l'adopter, jouet compris. Dès qu'il fut entre de bonnes mains, un miracle s'est produit. L'amour et l'attention des deux femmes ont fait fondre la méfiance de Smokey, lui redonnant peu à peu confiance en l'humanité. Avec son éléphant en peluche à ses côtés, Smokey a commencé à retrouver sa joie de vivre. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne, où vous trouverez plein de choses intéressantes.